Bonjour, je suis le docteur Kanté Abdoulaye, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons parler du fléchisseur profond des doigts. Deux muscles puissants situés dans la loge antérieure de l'avant-bras assurent la flexion des doigts. Il s'agit du fléchisseur profond des doigts et du fléchisseur superficiel des doigts. Donc, voici une vue antérieure qui nous montre les deux os de l'avant-bras réunis par la membrane interosseuse. Les fléchisseurs des doigts longs sont situés dans la loge antérieure. Le fléchisseur profond, nous le voyons ici. Il est recouvert par un fascia qui le sépare du fléchisseur superficiel. Le fléchisseur superficiel est constitué de deux chefs. Voici le premier chef du fléchisseur superficiel qui est recouvert par le deuxième chef. Voyons à présent le fléchisseur profond des doigts dans ses insertions, son corps musculaire et son trajet. Donc voici la vue ventrale des deux os de l'avant-bras, montrant l'insertion proximale du fléchisseur profond. Le fléchisseur profond a une insertion proximale très étendue sur la moitié médiale de l'avant-bras. Vous voyez toute cette zone en rouge. C'est l'insertion proximale du fléchisseur profond. En dedans, le fléchisseur profond va s'insérer en dedans du long fléchisseur du pouce sur la moitié latérale, en pointillé ici. L'autre insertion proximale du fléchisseur profond se fait par des fibres musculaires sur les trois quarts supérieurs des faces latérales et médiales de l'ulna, les trois quarts supérieurs des faces antérieures et médiales de l'ulna. Une insertion constante du fléchisseur profond se fait au niveau de la sous la tuberosité bicipitale. Voyons à présent le corps musculaire et le trajet du fléchisseur profond. Le corps musculaire du fléchisseur profond est large et épais. Ses fibres se dirigent latéralement. Les fibres latérales deviennent verticales, comme vous pouvez constater sur cette image. Les fibres médiales s'enroulent obliquement autour de l'ulna. Il présente quatre faisceaux de volume inégal. La description de ces faisceaux varie selon les auteurs. Donc voici les quatre faisceaux. Donc voici les quatre faisceaux du fléchisseur profond. Le faisceau de l'index est le plus important et c'est ce faisceau qui est nettement individualisé. Donc voici le faisceau de l'index qui est bien visible par rapport aux autres faisceaux. Les quatre tendons sont plus larges que ceux du fléchisseur superficiel. La hauteur de la scission est variable. Ils sont d'abord réunis par un tissu cellulaire dense et ensuite les quatre tendons vont se séparer à une hauteur variable. Les tendons de l'index s'individualisent dès son origine.
Les tendons des troisième, quatrième et cinquième doigts sont unis dans un même plan avant de se diviser. Les tendons du fléchisseur profond coulissent dans un tunnel ostéofibré appelé le canal carpien. Et les tendons sont recouverts par le rétinaculum des fléchisseurs qui ferme le canal carpien en avant. Les quatre tendons du fléchisseur profond sont recouverts par des gaines appelées des gaines carpiennes qui leur permettent de bien coulisser. Et ceci explique aussi, du point de vue clinique, l'expansion d'une infection. Une infection simple au niveau du poignet peut s'étendre jusqu'au niveau de la partie distale du doigt, du fait de cette continuité des gaines. Au niveau des tendons, la ponevrose superficielle est épaisse et forme des bandelettes épaisses. Donc vous voyez que la ponevrose superficielle est épaissie au niveau des tendons. Et cette aponevrose va former des bandelettes épaisses. L'insertion distale du fléchisseur profond se fait au niveau de la troisième phalange, c'est-à-dire la base des phalanges distales sur la face antérieure. Donc voici les quatre tendons qui vont se terminer sur la face ventrale de la base de la troisième phalange. Donc voici en vue latérale l'insertion terminale des tendons du fléchisseur profond. Le tendon du fléchisseur profond au niveau de l'articulation interphalangienne proximale, le tendon du fléchisseur profond va passer à travers une perforation, encore appelée la boutonnière. C'est la perforation du fléchisseur superficiel des doigts. Ce passage au niveau de cette perforation permet de plaquer les tendons du fléchisseur profond contre la première phalange. Donc voici le passage des tendons du fléchisseur profond à travers la perforation au niveau du fléchisseur superficiel et leur terminaison sur la base des troisième phalanges. Les tendons sont maintenus en place grâce à trois gaines épaisses qui constituent en fait ce qu'on appelle des poulies. Donc voici des gaines épaisses qui constituent des poulies. Les fibres de ces gaines sont transversales. Donc les fibres sont disposées de façon transversale. Ces trois gaines sont réunies par un tissu plus fin qui est formé de fibres croisées. Ce tissu permet la flexion des phalanges. Donc voici en vue latérale les gaines et des fibres croisées qui les réunissent. Ces gaines et la face ventrale des phalanges légèrement concave, comme vous pouvez constater ici, la face ventrale est concave, plus cette gaine vont former un tunnel ostéofibré
continue jusqu'à l'insertion distale des tendons. Le tendon du fléchisseur profond est recouvert d'une gaine, par une gaine qui contient un liquide synovial, et cela permet de favoriser le glissement. Donc voici une vue d'ensemble des gaines, des tissus croisés et la gaine qui recouvre le tendon jusqu'au niveau de sa terminaison. Ce dispositif permet au tendon de résister aux forces de frottement, d'être maintenu au contact de l'arc squelettique formé par le métacarpien et les phalanges. Donc vous voyez le dispositif qui est constitué par les phalanges, le métacarpien et les phalanges, en avant les gaines fibreuses et les tissus croisés. C'est comme si les tendons du fléchisseur profond passent dans deux tunnels, un tunnel ostéofibreux au niveau des os du carpe et un deuxième tunnel ostéofibreux qui se trouve au niveau des phalanges. À présent, voyons le rôle du fléchisseur profond des doigts. Les articulations interphalangiennes ne permettent que la flexion et l'extension. Leur mouvement fonctionnel actif est la flexion. L'extension n'est que le retour des phalanges à leur position de départ pour les préparer à la prise d'un objet. Voici la flexion des doigts qui consiste en un enroulement. Le fléchisseur profond des doigts va fléchir d'abord la troisième phalange ou la phalange distale. Et très rapidement, le fléchisseur profond va fléchir la deuxième phalange. Le fléchisseur commun profond assure le verrouillage d'une prise. Le verrouillage commence à la demi-circonférence et devient de plus en plus efficace. Son action est renforcée par le fléchisseur superficiel au fur et à mesure que la deuxième phalange se fléchit. Son efficacité est maximale lorsque la phalange proximale, c'est-à-dire la première phalange, est maintenue en extension par une contraction de l'extenseur commun. Donc voici l'extenseur commun en vue latérale ou lors d'une suspension d'un objet, et l'exemple ici est le grimpeur. Donc regardez bien l'action quand on grimpe, c'est en ce moment qu'on observe l'efficacité maximale. Il ne fléchit pas directement la première phalange. Cette action est due aux interossés. La force des interossés assure la prise efficace d'un objet un peu plus volumineux. L'importance de l'action des lombricaux dans la flexion reste discutée. Donc, vous voyez les muscles lombricaux qui participe à la flexion de la phalange proximale. L'action du fléchisseur profond des doigts ne se limite pas à la prise solide d'un objet. La disposition des tendons des muscles extrinsèques et intrinsèques permet d'agir sur les trois phalanges de chacun des quatre doigts. Ainsi, les fléchisseurs des doigts en synergie avec l'extenseur commun des doigts, les interossés et les lombricaux
peuvent réaliser des mouvements variés et ou complexes. L'efficacité, la puissance et la précision d'un objet dépendent des positions respectives des trois phalanges avant leur intervention, des synergies entre les différents muscles fléchisseurs et extenseurs et de la mise en jeu d'un système fibré complexe. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.